Le vase Borghese est découvert à Rome durant la seconde moitié du XVIe siècle, probablement vers 1566 sur le site des jardins de Salluste, au cœur d'une vigne appartenant à un certain Carlo Mutti. Ces jardins portent le nom de leur antique propriétaire, l'historien romain Salluste qui a vécu à la fin de la République romaine au 1er siècle avant notre ère et qui aurait repris cette propriété appartenant initialement à Jules César. Ces jardins sont ensuite devenus une propriété impériale à partir du règne de Tibère et l'empereur Nerva mourut en ce lieu. Par ailleurs, le vase Borghese n'est pas la seule découverte faite au sein de ces Orti Salustiani. On peut dire que ce lieu est fécond en chefs-d'œuvre. C'est notamment ici que l'on a retrouvé la sculpture de Silène portant l'enfant Dionysos qui fait face au vase aujourd'hui dans la salle des cariatides du musée du Louvre. Mais aussi ont été retrouvés dans cet espace le célèbre Galate mourant conservé au musée capitolin de Rome, ainsi que le groupe Ludovisi du Galate se suicidant avec sa femme, qui est aujourd'hui exposé au Palazzo al Temps. Cette trouvaille s'inscrit à un moment crucial et propice de découvertes dans le sol de Rome fertile en antiquité. En effet, les antiques sont désormais valorisées et surtout protégées par le pouvoir pontifical. C'est notamment sous le pontificat de Paul III, connu aussi sous le nom d'Alexandre Farnèse, qu'une stricte interdiction des pillages et du passage des antiques au four à chaud est promulguée. Le vase Borghese est un chef-d'œuvre des collections du musée du Louvre, car au-delà du raffinement de sa réalisation technique, il est le témoin du prestige de la collection Borghese achetée par Napoléon Bonaparte auprès de son beau-frère Camille Borghese en 1807. Mais il nous renseigne également sur la production d'œuvres sculptées de provenance athénienne à destination d'une clientèle romaine. Rome s'étant rapidement hellénisée depuis le IIe siècle avant notre ère, suite à l'expansion des conquêtes dans le monde grec par la cité du Latium. Ce vase en marbre pentélique se présente dans des dimensions monumentales, avec une hauteur de 1,72 m et dont la forme est une typologie bien identifiée que l'on appelle un cratère, et plus précisément un cratère en calice. Et il est en effet datable des années 30-40 avant Jésus-Christ, et dont on suppose l'existence d'un original en bronze pouvant remonter au second siècle avant notre ère. Le décor du vase Borghese est constitué d'un ensemble de hauts et de bas-reliefs. Une frise, à caractère mythologique, se déploie en haut-relief au centre du vase que l'on appelle la panse. Cette frise de personnage est surmontée d'un décor végétal en bas-relief, un rinceau de vignes se déployant en frise et sur l'ensemble de la circonférence du vase. La lèvre du vase, quant à elle, retombe vers l'extérieur et est ornée de languettes surmontées de perles, tandis que le vase, dans sa partie inférieure, du bas de la panse jusqu'au pied, est décoré d'ornements ovoïdes que l'on appelle des gaudrons. Cette succession de gaudrons est interrompue à deux reprises par deux mascarons représentant des têtes de Silène, qui sont les bases ornementales de deux anses aujourd'hui disparues. Le vase Borghese, à travers son iconographie, met en exergue le monde du dieu Dionysos, ou Bacchus pour les Romains. En effet, la forme de ce vase en cratère servait dans l'Antiquité au mélange du vin, qui ne se buvait pas pur, mais coupé avec de l'eau et aromatisé avec différentes épices et du miel. De plus, la frise à caractère mythologique au centre du vase représente un cortège ou thyase dionysiaque. Nous pouvons y observer en premier lieu Dionysos lui-même, qui tient de la main droite son attribut principal, le thyrse, un sceptre orné de feuilles de lierre et surmonté d'une pomme de pin. Le dieu du vin et des excès s'appuie sur l'épaule d'un personnage féminin jouant de la lyre et que l'on peut reconnaître comme étant Ariane, qui est abandonné par le héros Thésée sur l'île de Naxos après l'avoir aidé à tuer le Minotaure et que Dionysos retrouve sur cette île. Il tombe amoureux d'Ariane, ce qui donne lieu à des fiançailles. Autour de ce couple, qui échange un regard dans une attitude calme propice à l'échange romantique, se déploie le thyase dionysiaque dans toute sa frénésie. Satyres et ménades dansent, jouent d'instruments à cordes et à vent, avec une animation bien retranscrite dans les vêtements ou les pardalides des satyres qui s'envolent au gré du vent et des mouvements. L'ivresse des suivants de Dionysos trouve son point d'orgue dans la représentation d'un satyre supportant un papeau Silène, accablé par le poids d'une ivresse immodérée dont l'objet de son excès est accentué par la présence de ce cantare tombé au sol. Le vase Borghese est ainsi un exemple probant d'une utilisation dans des dimensions monumentales et décoratives destinées à des jardins de la haute société romaine
de formes employées auparavant par la céramique à un usage domestique, et en l'occurrence dans le cadre de la consommation du vin lors du banquet et du symposium. Des sources littéraires nous renseignent à cet égard, comme par exemple les correspondances entre Cicéron et son ami Atticus, qui réside à Athènes, et auprès duquel Cicéron demande des œuvres sculptées pour orner l'une de ses villas et principalement le gymnase qu'il a fait construire. Voici un extrait de cette correspondance entre Cicéron et Atticus. « Mes statues et les airs Méraclès, je voudrais que, comme tu me l'écris, Atticus, tu saisisses la première occasion pour les embarquer. De même, si tu peux trouver quelque autre statue qui convienne à l'endroit que tu connais, et particulièrement des œuvres d'art qui te paraîtront propres à une palestre et à un gymnase. Je te prie en outre de me procurer des bas-reliefs que je puisse enchâsser dans les murs de mon petit atrium et deux margelles ornées de reliefs. » Par ailleurs, la découverte d'une épave dite de Madia au large de la Tunisie au début du XXe siècle et dont les fouilles sous-marines n'ont pu être effectuées qu'entre le milieu et la fin du XXe siècle ont permis de mettre au jour un cratère de marbre en tout point semblable au vase Borghese, que ce soit dans sa forme ou par son contenu iconographique et stylistique. Cette cargaison, en provenance de Grèce, était à destination de l'Italie et serait probablement le fruit d'un pillage selon certains chercheurs, et à mettre en parallèle avec la prise d'Athènes par Sulla en 86 avant notre ère. Mais ce qui importe avec cette découverte, c'est une preuve supplémentaire de la mise en place d'une production en série par des ateliers grecs à la fin de l'époque hellénistique pour une clientèle romaine.